Cette deuxième journée du HNA Open de France au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines a vu la présence de la ministre des Sports. Laura Flessel est venue pour dévoiler le timbre de la Poste. Un timbre édité spécialement pour la prochaine Ryder Cup qui va se dérouler en septembre prochain sur le Golf National. Je tiens à féliciter la Fédération Française de Golf pour l'incroyable travail accompli et pour la préparation de la Ryder Cup dans seulement quelques semaines maintenant, ici au Golf National, à Saint-Quentin en Yvelines, bien sûr. Bonne journée à tous et merci. La Ryder Cup qui est le troisième plus grand événement au monde et on voit que ça crée une énergie et effectivement on a dévoilé le timbre qui ira partout et c'est une belle fierté. On le sait, golf et business font bon ménage. Le HNA Open de France offre l'opportunité à Saint-Quentin-en-Yvelines de promouvoir son territoire auprès des entreprises et des investisseurs. Saint-Quentin-en-Yvelines invite ainsi sur les 4 jours de compétition une centaine de ses partenaires économiques. L'objectif de cet événement, l'HNA Open de France, était de rencontrer en fait des potentiels partenaires pour notre application mobile et la développer donc spécialement dans le golf. C'est un bon moment pour pouvoir donc découvrir tout le travail de l'ensemble des structures qui sont à notre disposition et on peut dire que il y a des vrais pros sur Saint-Quentin, notamment sur la notion d'organisation des événements, puisque donc aujourd'hui on est sur l'Open, demain c'est la Ryder Cup et puis il y a les Jeux Olympiques, donc il y a une vraie dynamique qui s'affiche au quotidien et dans les relations qu'on peut avoir avec les différents intervenants.